Bonjour à tous, c'est Maniaco Channel et on se retrouve aujourd'hui sur Springtrap Simulator. Donc la vidéo que j'avais faite sur Fazbear Simulator dans lequel on jouait les animatroniques du premier jeu, j'ai eu plusieurs bons retours sur cette vidéo. Et donc je vais vous faire découvrir aujourd'hui un autre simulateur d'animatronique dans le même style, dans lequel on se balade dans les caméras. Et aujourd'hui on s'attaque à Springtrap, c'est Fazbear Simulator dans FNAF 3 en gros. Sauf que là on peut jouer que Springtrap, pas les autres. C'est pour ça que ça s'appelle Springtrap Simulator. Alors, on a un temps, ok. Sympa la musique. Donc j'espère, si je comprends bien, je sais pas pourquoi j'ai dit j'espère. Si je comprends bien, là le wait time, là c'est le temps qu'on doit attendre pour partir. Donc là on voit notre Springtrap est là. Voilà, et là le temps baisse petit à petit. Et par exemple là, ouais, je peux pas changer de caméra, je peux changer de caméra que lorsque le wait time est à 0. Parce que voilà, je peux pas faire un gros speedrun du jeu. Donc à la cam 3, il y a rien. Je vais essayer de faire le plus de caméras possible. Là, on voit bien qu'on est là. Donc, je vais essayer de faire le plus de caméras possible parce que avec ces caméras, parce que ouais, voilà, il y a dans Fazbear Simulator, il y avait des endroits spéciaux dans lesquels on pouvait justement avoir des interactions spéciales. Alors si je fais ça. D'accord. Sympa. D'accord. Et un screamer de Chica qui laguait totalement. Je sais pas si c'est normal ou si c'est juste mon PC. On va continuer à aller dans les autres salles. Donc on saura que là, si on appuie là, ça fait un jumpscare de Chica. Alors, si on va là. La marionnette. Et là, on est toujours là-bas. Avec ce jeu, tu peux apprendre l'emplacement de Springtrap dans toutes les caméras. Là, je dois attendre. Voilà, cam 12. C'est un conduit. Ouais, voilà, c'est un conduit. Donc, vu que c'est un conduit, on voit Springtrap dans le conduit. Voilà, cool. Je peux pas aller là. Non, c'est un conduit. Du coup, je pense que je dois aller. Je peux pas aller de. Non, même pas. Non, c'est pas par là qu'on va. On voit cette caméra alors. Si je peux. Si j'ai pas attendu le temps d'attente. Alors, wait time, donc voilà, on est là. Je vais. Attends, attends, voilà, je vais à la cam 6. Voir s'il n'y a rien de nouveau spécial. Donc, une petite vidéo rapide, hein, parce que voilà, c'est un jeu rapide. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans ce jeu, j'ai envie de dire. Voilà, là, on peut directement aller à la cam 7. Parce que là, après, c'est des conduits d'aération, je pense. Ou même là, est-ce que la cam 7 c'est un conduit? Non, c'est pas un conduit. Non, c'est cette cam là. Non, d'ici je peux aller à la cam 8 qui est un conduit, je pense. Et non, ah non, oui, c'est celle-là. Et là, il y a son tapis en bas. Donc, du coup, on peut pas aller dans tous les conduits, je pense. Donc, voilà, on va aller là. Et on va directement se diriger devant. Si je me trompe pas, voilà. Alors, je parie que ça va encore être un jumpscare, mais je vais appuyer dessus. Alors, A pour aller à gauche, D pour aller à droite. Get to the door to end the game. D'accord. Si on va à la porte, on finit le jeu. Donc, je pense que voilà, c'est signifié par le jumpscare. Et je pense qu'on peut pas perdre ce jeu. Du coup, je parie que je vais avoir un jumpscare. Bonjour Balloon Boy. Voilà, c'était sympa. Bon, on va marcher jusqu'à la porte. Je sais pas si c'est possible d'aller juste à la porte. Enfin, de dépasser sa tête. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que donc voilà, on va voir du coup Springtrap qui va faire un jumpscare. Je sais pas quand est-ce qu'il va le faire. Et ben voilà, il nous a fait ton jumpscare. Alors voilà, cette vidéo était extrêmement courte. C'est pour ça que je ferai une vidéo supplémentaire cette semaine. Je ferai pas deux vidéos mais trois vidéos. Parce que voilà, j'avais envie de montrer du coup cette espèce de suite de Fazbear Simulator. Et quand Fazbear Simulator 2, donc celui sur FNAF 2 sortira, je le ferai en vidéo bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un commentaire mettez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du jeu. Et si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un like, ça fait toujours plaisir. C'était Maniaco Channel. Et voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.